Bonjour la VOD! Ah non, j'aurais dû dire un truc du style. Welcome aboard, Captain. Pour la VOD, ça aurait été super. Bonjour la VOD, on est sur Subnautica. On s'est VOD, merci. Vous êtes mignons! On est sur Subnautica, on est sur la suite, fin de l'arc alien un peu. Et on était en train d'essayer de faire le sérum d'éclosion, enfin le truc pour faire éclore les bébêtes. Pour ça, il nous fallait des herbes, on les a récoltées hors VOD. On allait là-bas et là-bas récolter des herbes qu'il nous fallait. Et je vais aller récolter les deux dernières qui me manquent. Car les TP peuvent nous aider à ça. Donc ce qu'on va faire... Ah c'est bon, ça a été fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller explorer les deux derniers TP qu'on n'a pas fait. On avait eu le temps de tout visiter cette pièce. Pour pécho les petites herbes qui me manquent pour le sérum, il faut... Bah il faut celles qu'on voit là-haut. Il me manque le truc de... L'échantillon fongique, j'en ai un à la maison, mais au cas où. Et l'échantillon de pom-pom. Mais ça, je suis presque sûre que j'en ai aussi. Bon, on va tout prendre de toute façon. Par contre, je vais déposer dans ma créature, là. Pas du tout une créature. J'avais baissé le son, j'ai peut-être augmenté un peu. Bon voilà. Quand même. Non, je voulais pas rentrer. Je me suis trompée. Et pour ceux qui connaissent pas dans le chat Subnautica, c'est un jeu d'exploration sous-marine sur une planète alien. Mais là, on arrive un peu... Au dernier arc. Hop là. Je vais cacher le chat maintenant que vous avez pu dire bonjour. Parce que c'est un jeu où j'aime bien favoriser l'immersion. Et du coup, verre dans la tronche. Donc, je disparais un peu. Hop là. Pardon. Par contre, je sais pas ce que je peux trouver ici. Je sais que je peux trouver une des herbes qui me manque. Mais je sais pas ce que je peux trouver. Et donc quand même une histoire. Oui, il y a une histoire et il y a une fin. Vraiment, ce Nautica, c'est pas juste de la survie. C'est beaucoup plus que ça. Et c'est pas juste de la survie sous l'eau. Parce que il y a finalement pas mal de phases où on n'est pas sous l'eau. Ah, mais c'est ça. Mais oui, mais j'ai ça déjà. Je pense. C'est ça les pom-pom. Bon ben voilà, j'ai mon échantillon. Je vais prendre le TP et déposer ça. Alors je pense que je vais pouvoir le crafter dans mon sous-marin. Mais le truc c'est que le sous-marin est hyper loin. Bon là oui, il est forcément hyper loin. Mais quand j'aurai pris le TP, on a quand même une petite distance à faire, non? Hop là. Et du coup... Bon, je rentre là-dedans. Donc voilà. La plupart des autres ingrédients, on les a juste déposés dans le robot. C'est pour ça qu'ils apparaissent plus en haut à droite comme validés, mais je les ai. Et il me manque juste un truc. Et du coup, on va aller là-bas. Parce que là-bas, il y a le 4e TP. Et on va chercher. Petites méduses qui nagent. Des petites méduses. Des vraies petites méduses? Trop bien. C'est piquant les méduses. Ça peut être urticant les méduses, mais il y en a plein qui ne le sont pas. Hein. Comme les raies. Les raies, c'est que si on marche sur leur queue. Franchement, pour te faire piquer par une méduse, faut juste que tu marches... Enfin, faut vraiment marcher sur du sable et qu'il y ait une méduse qui soit cachée dans le sable et que tu marches dessus, sur son dard. Sinon, aucun souci. Hein. Et franchement, quand on est dans une zone où on sait qu'il y a des poissons et tout ça, de toute façon, il vaut mieux éviter de marcher sur le sol parce que en dehors des méduses, qui sont vraiment pas du tout les plus dangereuses, il peut y avoir des poissons pierres sur le sol, qui ressemblent à des pierres et qui, eux, par contre, sont plus dangereux. Attendez, c'est F. Voilà. Alors, il me faut quoi? L'échantillon fongique. Est-ce que c'est ici que je le trouve?
Ou est-ce que c'est dans la grotte? Est-ce que des champis? Bah, y en a dans les grottes souvent. Ray, si tu la pêches, le décrochage devient sportif, voire dangereux. Eh ben, ne pêche pas de Ray. Voilà, couleur la paix. Au bout d'un moment, hein. Une Ray, si t'essayes de la tuer, elle se défend un peu, c'est chiant. Au bout d'un moment, quoi. Est-ce que c'est par là? Je suis pas sûre, hein. J'espère que je vais retrouver le chemin, moi. Ah, ça doit être ceux-là. Ça doit être ça, l'échantillon fongique. Voilà. Ok, je rentre, je rentre. J'ai jamais dit que c'était ce que je cherchais. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que bon, évidemment, voilà, la pêche... Enfin... C'est comme dire que quand tu essayes de chasser un cerf, l'animal peut se défendre, quoi. Ça peut être dangereux, ou un sanglier, j'ai envie de dire... Oui. Mais franchement, bah du coup, logique. C'est juste ça que je veux dire. Ça rend pas l'animal dangereux pour autant. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que je disais ça. Victimisé. Non, mais non. Faut pas se faire pipi dessus quand on est piqué, non, c'est con. Tout à fait. Et au contraire, ça peut même infecter. Non, c'est pas bien. Apparemment, c'est pas bien. Voilà, on a tout. Mais on en avait parlé une fois quand on jouait à Lethal Company. J'avais même fait un clip en disant, hey, en fait. Puis c'est pas sur vos potes qui se sont fait piquer. Faites ce que vous voulez, mais juste ça, ça servira pas. Bon. Alors voilà ce qui se passe. On a tous nos ingrédients. Voilà. On a ça. On a ça. Et on a les trois autres trucs dans le prône. Maintenant. No king shame. Oh, oh non, il est là. Oh, ça va être chiant. Maintenant, faut que j'aille là-bas. Ah, il s'est TP ? Il est là-bas. Bon, bah, faut que je m'en aille sans que lui me chope. Et ben... Ah oui, il reste là, maintenant, tout le temps. Avant, il n'était pas dans cette zone, hein. C'est juste parce que j'y suis, en fait. Hein. Juste, je me fais stalker, quoi. Pissez sur vos potes quand vous voulez. Non, ce que je veux dire, c'est que si c'est votre truc avec vos potes, si vous êtes très potes, quoi. Genre, et que c'est votre truc, je juge pas. Juste que, rapport à une piqûre de méduse, ça, voilà, ça servira pas et apparemment, ça peut même être plutôt négatif. Voilà. Donc... Non ! Chiant ! Chiant ! Chiant ! Putain ! Oh, je vais mourir ! Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, au secours ! Est-ce que j'ai de la vie? Oui, oui, voilà. Putain! Arrête! Je vais te gommer! T'es où? T'es où? T'es où? Toi aussi, dégage! J'ai plus de soin. La blague trop nulle, elle dure trop longtemps, la blague, c'est chiant, ça fait rire personne. Allô? En plus, j'y ai pas joué depuis... un peu plus d'une semaine au jeu, là. Faut que je me réhabilite doucement et je m'en prends plein la gueule. C'est pas par là. C'est pas par là, c'est pas par là. C'est par là-bas. Mélo du love. Merci beaucoup pour la soirée, merci beaucoup pour le raid. C'était très très drôle. Et on a été trop fortes. Voilà. Il y a toutes mes alertes qui sont doublées. Ok, mais ça c'est le signal qui me dit il va falloir que tu les changes et que tu foutes tes alertes ailleurs. Je dois le faire depuis un moment.
je me prends un jour off dans deux jours. Je vais totalement profiter pour faire ça, ça me saoule. On te voit vachement collé au bord. Bah ouais, mais c'est pour pas gêner. Bah ok. Je peux me décaler. Hop là. Bon, du coup, vous voyez pas la vie de mon engin. De mon gros outil. Mais c'est pas grave. C'est surtout ma vie importante. Mais c'est vrai qu'en fait, je regarde... Limite, je pourrais regarder dans l'autre sens. Ce serait mieux. Parce que là, je regarde le chat comme ça. Là, je peux faire inverser la cam, là. Attendez, je vais inverser la cam. Ce sera moins bizarre. Merci beaucoup, petite Mélo. J'espère que ça t'a plu. Et salut, TZ. Salut, Méloka. Ah, mince. Je vois pas. Je suis en train de transformer... Attendez. Je fais ça. Je fais ça. Je fais inverser horizontalement. Ça a pas marché parce que je me suis trompée. Voilà. Voilà. C'est bien ça, hein. Transformer. Inverser horizontalement. Voilà. Voilà. Comme ça, ça fait un peu moins bizarre vu que je regarde vers le jeu. Salut Eléa, salut Infinity, salut Noxy. Pardon pour l'accueil tardif. Ils sont racistes du rose. Eh bah, tu sais quoi? C'est peut-être fort possible. Parce que Gaël, il s'est aussi beaucoup fait focus par les mobs et il était aussi rose à notre partie d'avant. Donc en vrai, j'aurais tendance à dire que possible. Et pour ceux qui connaissent pas, je suis sur Subnautica, mais je suis dans les tréfonds, les profondeurs. Et du coup, ceux qui connaissent le jeu mais qui sont pas allés très loin, ils peuvent ne pas reconnaître. Et dans ce cas-là, je vous conseille fortement de tester le jeu. Ok. Je vais rentrer. Je vais poser mes trucs, genre ici. Est-ce que j'ai de quoi poser? Oui. J'ai des cubes. Mes cubes. Je les mets où je peux, hein, mes cubes. J'ai pas un truc à cubes. Bah là, il y a des cubes. Je pose mes cubes. Pose ton cube. Et je vais chercher mon autre matos. Oh, il est là, punaise. Oh, hey, je vous promets, j'ai eu si peur. Je vais le chercher. Ça me fait trop peur de le laisser. Je vais me décaler un tout petit peu. Il est à... Mais tranquille, toi. J'ai le gros sous-marin. Je vais regarder où est mon petit prawn. Il est genre là. Ok. Comment ça? C'est chiant, j'essaie de tourner, mais ça tourne tellement tout. Ça me saoule, je dérape! Arrête-toi! Je veux juste aller au-dessus de ça, en fait, pour le rentrer facilement. Je m'en éloigne. Voilà. Coucou, c'est qui? J'ai pas vu. Coucou, c'est Osrek. Voilà. Engine powering down. Ah, j'ai que 32 de batterie. Hop là, on fait ça pour virer toutes les bestioles qui sont chiantes. Ça augmente. Et en fait, j'ai une batterie qui augmente grâce à la chaleur. Mais je suis peut-être pas dans une zone assez chaude. J'ai l'impression que c'est pas dingue. J'ai l'impression que c'est vraiment pas dingue. Pourtant, punaise, je suis au-dessus de... Ah si, c'est bon. Je suis au-dessus de la lave.
Enfin, je sais pas, même donné quoi. Alors. Là, je prends. Pas le stockage, je vais le prendre depuis l'intérieur, mais ça, je vais ranger. Non. J'ai dit, je vais le ranger. Voilà. Je vais manger aussi. Ça me donne de l'eau en même temps. Voilà, je vais hyper bien. Du coup, j'ai de quoi crafter le sérum et je peux me coincer. Et je peux prendre... Attendez, c'est depuis où que je peux choper ce qu'il y a dans mon prone? C'est depuis ici. Je fais ça. Et là, je chope, chope. Là, je vais là. Et comme vous pouvez voir en haut à droite, il me manque un truc. Qu'est-ce qu'il me manque? Je l'ai posé en bas parce qu'il me fallait de la place. Je vais virer ça, ça me sert à rien du tout. Voilà. Enzyme d'éclosion. Et en fait, ça va permettre aux œufs de l'empereur, le Léviathan empereur, le Léviathan sympa, d'éclore et de nous aider. Oui, apparemment, il y a un côté à Outer Wilds. Enfin, les deux... Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont un peu comparé certains aspects de Subnautica et d'Outer Wilds. Je connais pas du tout Outer Wilds, j'ai pas voulu du tout me spoiler le jeu. Et je pense que c'est juste des détails ou des petits éléments de gameplay ou des petits trucs, puisque je sais que le principe d'Outer Wilds c'est pas du tout le même que Subnautica. Mais voilà, je sais qu'il y a déjà des gens qui m'ont dit un truc similaire. Mais j'ai pas fait. La manœuvre ne durera pas plus de 15 heures. Ça va, je fais ce que je peux. Je l'ai Outer Wilds, hein. Un jour je le ferai en live. Voilà, c'est prévu. J'hésitais à le faire en live ou pas. Un jour ce sera le cas. 37%, ça va, ça augmente. Je vous l'éteins déjà. J'entends des bestioles qui me foncent dessus, ça m'agace. Et à part l'enzyme, hein, je voulais un autre truc. Bah déjà j'ai ça sur moi et ça sert pas à grand chose d'en avoir 15. J'ai l'enzyme. Ça, ça dégage ça et ça aussi. Je vais voir si j'avais besoin... Ah oui, si j'avais du soin. Est-ce que j'ai encore du soin? Non, si, j'en ai encore. Je vais peut-être bouffer pour me heal pour le moment. Il me semble que ça heal de bouffer, mais je suis plus sûre. Je suis plus sûre tout à fait. Oui, voilà, quand on est à 100%, ça heal un peu. Le... Bon. Je prends deux soins sur moi. Et une bouteille. Ah, il y a du motion sickness dans... Outer Wilds, c'est un côté chiant. J'ai pas hypé la mécanique. On en parlera quand... Ah oui, d'accord. Mais j'ai un petit peu... J'avais un tout petit peu peur vu que je sais qu'il a un... Il a un côté redondant quand même le jeu. Et ça c'est le petit truc où j'ai peur de pas accrocher. Attendez, il est un peu... Voilà, on va le réparer. Alors j'ai l'enzyme d'éclosion, il faut que j'aille la donner à l'empereur. Donc on va retourner là où on était. J'y emmène pas mon... Est-ce que j'y emmène le gros sous-marin? En fait j'ai peur... qu'il se fasse... Bah en plus c'est vachement... Non mais j'ai peur de le cogner partout. Limite, je peux le descendre un peu plus, mais c'est tout. En vrai, le gros sous-marin peut passer là, mais c'est un peu galère quand même. Non, laisse-moi tranquille. Fasse gaffe à ma vie. Les créneaux en sous-marin, c'est ça. Non, et puis là, ce serait même pas que ça. Ce serait vraiment ne pas se cogner partout. Juste dans les petits couloirs tout fins et tout. Et bah, le problème, c'est que on descend dans un gouffre, mais qui est pas si...
qui est pas si spacieux et que lui pourrait m'attaquer mon sous-marin aussi. Déjà que là il va m'attaquer. Et j'avoue que je serais un peu saoulée. Ah oui non mais il me fonce dessus quoi. Je serais un peu saoulée si en sortant de la mission, bah j'ai plus du tout de sous-marin. Alors en vrai, ce serait pas si grave, mais ça fait beaucoup de compos de côté. Enfin non, ça... Même encore plus que le sous-marin lui-même, ça niquerait toutes mes compos. Merci. Mais ça va, il est lent comme un fiac. Comme un fiac lent. L'autre, c'est Istrakhan, mais c'est quoi cette horreur? Ça, quand on connaît pas, on se dit, oh putain, il y a juste le dragon des enfers qui nous fonce dessus. Mais c'est un Léviathan. Effectivement, il nous attaque quand il nous voit. Mais ça reste gérable. C'est là que c'est la meilleure. Quand on connaît un petit peu le jeu. Au début, mais voilà, pour ceux qui connaissent pas le jeu, bon là, vous voyez la fin, vous voyez certains trucs. Il y a plein de moments comme ça avec des mobs différents. Et c'est un peu... En gros, dans le jeu, le but, c'est un peu qu'on ait un petit mouvement de panique quand on voit la première fois un mob qui a l'air agressif. Et après, on comprend un petit peu comment il fonctionne. Et après, bah, le but, c'est simplement de se débrouiller sans l'embêter, quoi. Parce que on n'est pas censé tuer les bestioles, il n'y a pas beaucoup moyen. Salut Scorpion. Donc en fait, voilà, il y a un peu deux phases. Tu découvres un mob, t'es en mode OMG, comment je vais gérer ça, comment je vais m'en sortir. Tu vois un petit peu comment il fonctionne et après juste tu fais avec, quoi. Enfin, c'est comme ça que je vois Subnautica. Vu qu'il n'y a pas trop moyen de se défendre et que c'est volontaire totalement, eh ben, tu dois faire avec la faune. Attention! Par contre, vous spoilez complètement la fin. Voilà. Je vous préviens. Après, la fin, c'est qu'une petite partie du jeu. Mais vous allez voir une grosse bestiole qui est un peu une tête de tortue. Bonsoir, salut! Ça sert à rien. À savoir, le Léviathan Empereur. Et le Léviathan Empereur, il a besoin qu'on aide ses bébés à éclore. Parce que c'est un peu la solution à tous les soucis de la planète, ce Léviathan-là. On voit l'éclosion! Regardez les bébous! Attendez, j'ai fait de la fumée. Enfin, de la poussière. Ils vont voir la maman! Ah oui, je les ai pas scannés. My young are swimming for the shallows. I thank you. Their freedom is my end. What will it be? Ma liberté est ma fin. À quoi ressemble-t-elle si je me le demande? Pour aller dormir et ne jamais se réveiller. Oh non, c'est trop triste. Peut-être que la prochaine fois que nous nous rencontrons, je serai un courant océanique transportant des graines vers une nouvelle... l'endroit. Une créature si petite. Quelle voix, je ne sais pas quoi, excusez-moi. J'étais concentrée sur ce que je voyais. Oh, j'avais oublié ça! C'est ainsi. C'est comme les araignées loups. C'est un saumon en fait. Oui, un peu aussi, ouais. Un saumon, il voit pas les yeux éclairs. Ok. Mince. Et du coup, salut Sam et salut Nakurumi. Ben, bisous maman, Léviathan Empereur. Elle a fait sa mission. Qu'est-ce que c'est ça?
Et là, c'est la solution. Je peux pas scanner l'enzyme concentrée. Bon, je l'ai déjà scanné, je crois, l'enzyme. Mince, ma cam. C'est une autre cam. Et voilà. Oui, c'est vrai, faut que je me scanne. Et du coup... Scan terminé. Signes vitaux normaux. Plus de traces d'infection bactérienne. La maman Léviathan nous a guéris. Et la planète. Et du coup, il y a plein de morceaux d'enzymes comme ça qui vont pouvoir être envoyés partout. Grâce notamment aux petits poissons qui vont le transporter. Et au bébé Léviathan surtout. T'as scanné l'arche ? J'en ai scanné une. Est-ce qu'il faut que j'en scanne d'autres ? Oh no ! Non, c'est bon. Là, tu peux la scanner. Bah là, ça me le propose pas. Mais j'en ai déjà scanné une d'arche. La toute première que j'ai croisée. Bon bah on va récupérer le sous-marin. Hein. Le sous-marin. Alors. Et on va remonter. Je vais par contre enlever... Je vais désépingler le truc en haut à droite puisque c'est un peu chiant. Il y a plusieurs qu'on peut scanner. Ah bon. Bon, en tout cas, il me l'a pas proposé, là, donc... Donc j'imagine que c'était déjà fait. Je veux plein d'énergie tant que t'es au chaud. Ouais, mais faut que j'aille ailleurs. Mais oui, tu as raison. Je peux aussi bouffer. Si, j'arrive à pécho un poisson. Ah oui, c'est bon, j'ai un heal passif, j'avais pas vu. C'était où déjà le... C'était là-haut ? Je sais plus. Il faut que je monte, je crois. Oui, ça doit être ça. Bon, je vais tenter. Pour aller... pour rentrer. Oui, c'est là, ok. Voilà, je savais plus. Et là, du coup, on va pouvoir partir de ce coin-là et passer aux choses sérieuses. Pêche des poissons, toi. Des sirènes, même. Non, 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 je veux pas retourner dans l'eau. Ici, ça bug complètement, par contre, la texture. C'est parce que le jeu, pour lui, on est dans l'eau, mais en fait, on l'est pas vraiment. Bah, on l'est pas. Allez. Allez, sans supplie, t'as juste un pas à faire. Voilà. Bon, bah, on avait tout scanné, on va pouvoir rentrer. Je prends encore des cubes, mais normalement j'en ai assez, à moins qu'il y en ait besoin de vraiment beaucoup pour la plateforme et la fusée.
Ça aurait pu être bien que je mette des balises à chaque TP. En vrai, ça aurait été pas mal que je fasse ça, mais je l'ai pas fait. Parce que j'ai pas de quoi en faire. Et l'aller-retour, ça va être un peu long. Après, j'en aurai pas forcément besoin, je pense. C'est pas par là. Je sais pas où je vais. Enfin, je me promène. Allez, décoince-toi, s'il te plaît. C'est en bas. Bon, carrément. Et ouais, Valo. Et ouais. Je sais pas pourquoi je suis montée. Il est où Léviathan Man là? Ah. Bah je l'entends. Donc il doit pas être très loin. Ça, je vais reprendre tant que je suis ici. Parce que je sais pas de combien j'en aurais besoin pour la suite. Pas fait attaquer. Oui. Trop bien. Parce que ici, il y a des compos que je pourrais pas retrouver. Ailleurs. Et il m'en a manqué de celle-là pour des amélios. Donc je pense que j'en aurai de nouveau besoin. Même si je me rappelle mal. Cunégonde. Bon, faut pas que je me fasse pécho par ces machins. Ils sont chiants et ils me tuent en deux coups. Enfin, surtout qu'ils nous TP hors du prône. Ce qui, en plus d'être très chiant, nous fait mal. Mais c'est ça que je veux. Allez, clic droit. Je t'en supplie, fonctionne, clic droit. Faut que j'attende que mon enduro remonte en fait. On le voit pas, mais j'en ai pas depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je suis obligée de beaucoup grappiner. C'est quoi ça du coup? Je vais... C'est du titane. Eh ben je vais prendre. Ce sera, il me faudra beaucoup de titane. Et le truc à côté, je vais voir si c'est que du décor ou pas. Ça va le chat? Parce qu'en fait, ce qui va se passer là, c'est que maintenant qu'on a fait ça, on a basiquement fait à peu près ce qu'on devait faire pour guérir la planète. Je crois que c'est un peu... Il n'y a pas d'autre truc après par rapport à ça. Donc ce qu'on va faire, c'est faire notre plateforme pour faire notre fusée. Alors je sais plus si tout se débloque petit à petit. On va voir ça, je m'en rappelle plus.
Ok, pas cool, merci. Vous êtes mignon. Ah, t'as fait Subnautica à la manette, Sam? Ça devait être un petit peu galère, peut-être. Bon, oui, ça, c'est pas du matos, ça. No. Là, quoi? Là, on a du quartz. Il va nous en falloir, c'est sûr. Ce qu'il va nous falloir aussi, c'est du cornium, là. Je sais plus. Oui, en VR, ouais. Bah, quelqu'un essaie en VR, oui, catholise, mais il faut des mods pour rendre ça moins gerbant. Moi, j'ai testé en VR sans mod dans la VR qui est prévue par le jeu. C'est très gerbant. Vraiment, il n'y a rien à faire. C'est pas bien géré. Enfin, il n'y a rien à faire. Sans aucun mod, c'est pas trop faisable. Faut avoir peut-être vraiment absolument aucune sensibilité au motion sickness, et encore, je vois pas comment, parce que là, c'est beaucoup quand même. Salut Lazarus, si c'est bien toi. Quand tu te balades dans ton Simos et que t'entends gueuler d'un coup. Bah si tu connais le jeu, très honnêtement, ça te fera pas beaucoup plus peur, mais ça... Si tu te fais poursuivre par un truc... ça aura l'air un peu plus intense, ouais. De voir ton Simos se faire attaquer par un Léviathan, en VR, ça doit être cool. Mais encore une fois, ça doit être aussi gerbant. Oui, c'est moi, ok. Et ben bon, l'heure qui est des bisous. Bon, ça, je le mets là pour le moment. Voilà, de toute façon, j'aurai plein de stockage à vider. Et là, on va rentrer, je pense. Hein. Ça semble bien. Bon, et ben, go remonter à la surface. Ça va être un peu long. Allez, c'est parti. On peut dire que je m'en vais. Alors, par où je suis passé, moi? Parce que bon... Ça va être un peu compliqué. C'est par là, hein. Je viens de là, moi. Attendez, c'est où? Ah non, je viens de là-bas. Entrée. Ah ouais, non, pas du tout de là, alors. Est-ce que je resterai pas un peu là pour que ça recharge? Oh, normalement, je suis large, en fait. Ouais, mais il y a ça qui va gêner, de toute façon. Alors, je vais mettre en vitesse 2, en vitesse 1, pour pas me faire opérer par le Léviathan, qui doit être dans le coin. Et c'est parti. Ça va être un peu long. Si je jouais à ce jeu en VR, je me pisserais dessus. Mais c'est quand on connaît pas et si on est un petit peu sensible à ces trucs-là, ouais. Mais vraiment, après, tu sais à quelle bestiole correspondent chaque cri, chaque truc. Et du coup, tu sais si c'est un truc inquiétant ou pas. Bon, là, je sais que le hurlement qu'on entend, par exemple, c'est le lui, qui est juste là. Mais quand tu connais le mob, bah ça va. Et il attaque d'autres bestioles en plus, c'est même pas moi, il s'en fout de moi.
Peut-être falloir camper un peu. Ouais, peut-être. Mais ça, ça va aller en vrai. Hein. Oula, je me suis pris un truc là. Ah, c'est une raie, je pense. Par contre, je sais plus si je vais dans la bonne direction. Je vais... Attendez, comment je fais? Voilà. Je vais rester sur l'écran comme ça. Je vais peut-être éteindre aussi. Fuck. Engine powering down. Quand il y a trop de lumière, je vois mal. Engine powering up. Ouais, non, c'est bon, ça recharge. Mais doucement, là. C'est quoi ce bordel? Je me pisserai dessus. Ce sera pas à cause d'une piqûre de Métus. Mais ça m'aide pas, hein. Bah, pas beaucoup mieux, hein. Pardon. Ah oui, mais bon, faites attention. Vous voyez bien qu'il y a un poids lourd, quand même. On va miser sur le fait que c'est par là. Si c'est pas par là, tant pis. Aspect d'immensité, oui, je vois, d'accord. Non, mais je vois tout à fait. Attends. Ouais. On va essayer avec les caméras. Bah là, t'as... Bon, c'est vrai que là où on est, c'est grand, c'est loin sous l'eau. Coucou. T'es vulnérable, ça lucionne. Donc, je comprends. Mais il y a beaucoup d'aspects... Il y a beaucoup d'endroits, notamment là où on va rentrer, à ma base. Il y a beaucoup d'endroits qui sont beaucoup plus... agréable à parcourir. Alors t'as potentiellement des bestioles agressives, pas forcément des trucs immenses, mais des bestioles qui veulent qui t'attaquent à vue, mais c'est des endroits beaucoup plus chaleureux, agréables à voir. Bon, on arrive dans la zone où je vois rien. Ouais, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Je vais peut-être aller un peu plus vite par contre. Je suis en sans merde en fait. J'ai fait des parties de LOL envie de crever. Mais t'as pas déjà dit ça la dernière fois? Ou alors c'était quelqu'un d'autre? Et si c'est quelqu'un d'autre, c'est encore plus drôle. C'est tous les poissons qui tapent sur... sur la carcasse du sous-marin. Sur la, le je sais pas le terme, mais vous avez compris, le truc quoi. C'est par là ensuite ou c'est par là? Non, c'est... je sais plus. Par là? Non, ça doit pas être par là, ça doit être par là. La coque, oui, tout simplement, la coque, oui. J'ai oublié ce mot quand même, hein. La coque du cul. Mince, faut que je fasse ça. Voilà. Bon, là, il va pas faire chaud. Donc, notre sous-marin ne va plus se recharger grâce à la chaleur, sauf à certains endroits. C'est les potes des canards! La carlingue! Oui, c'est ça que je cherchais exactement. Mais ça me semblait pas adéquat. Oui, c'était moi. Mes potes veulent jouer que à ça. Parleur de headbanger. Il y aura personne, mais vous vous amuserez. Oh, parleur de content warning. Warning. Ouais. Content warning. On va se mettre là un petit peu pour se recharger, mais il n'y aura pas trop besoin. La musique, elle s'excite un peu. Voilà. On parle de joueurs de LOL, là. Mais les joueurs de LOL, ils sont capables de vouloir s'amuser aussi, j'en suis sûr. Ça se prononce comme beat en anglais. Moyen mémotechnique. Oui. Je pèse un petit peu. Et on est parti, hein. Bim.
Je veux pas faire du mal aux petites raies. Attendez, je vais recharger encore parce que c'est vrai que à la maison j'ai pas trop moyen de recharger mon machin là. On va refaire un petit coup de chaleur. Même si j'ai moyen d'en avoir plus loin en fait. Ouais. Juste, je vais rester encore une petite minute au-dessus de la cheminée. Ce sera ça de moins à recharger. Un des mecs est grandmaster, alors il nous donne des conseils. Ça veut pas dire que tu passes forcément un bon moment pour autant. Hein. Oui, ne blesse pas la rêve, vas-y doucement. Ah, arrêtez. T'es débarrassé des suceurs. Des sonsus. Je pense, mais bon, faut que je fasse un petit tour pour être sûr. On va voir. Et du coup, ça, c'est l'arbre qui contient un œuf de Léviathan. Mais on peut pas le... Si, j'ai pu le scanner? Je sais plus. Si, peut-être pu le scanner, mais j'ai pas pu le ramasser. Ouais, ça a l'air d'être bon. Mais juste au moment où j'ai passé la cascade, je les ai virés. Ah oui, c'est vrai qu'il fait trop chaud ici. Je les ai virés, du coup, vu que ici on n'est pas sur leur biome, à moins qu'ils m'aient suivi, ça devrait aller. Cunégonde. Le jeu des enfers par excellence, jamais je l'installe. Bah, de toute façon, pour avoir un petit peu essayé de m'y intéresser à un moment, c'est super désagréable d'apprendre LOL maintenant pour des gens qui connaîtraient pas. Donc, de toute façon, si vous connaissez pas LOL, c'est clairement pas le moment de s'y mettre. Hein. Donc voilà, là on monte doucement. On était vraiment dans la zone la plus basse du jeu, on va dire. Enfin, on peut aller plus profond, mais après c'est pas prévu par le jeu. Du coup, il y aura des trucs qui pourront vous détruire votre sous-marin. Et c'est pas ici en plus qu'on peut aller plus bas. Et du coup, on repasse un peu par différents biomes. Avec différentes bébêtes. Ah, j'ai envie de zoomer, j'ai pas pu. Donc voilà, c'est une petite balade pour ceux qui connaissent pas du tout le jeu. Vous allez voir un peu de tout. Là, ici, il y a encore une zone avec une base alien, enfin une base, un petit complexe alien. Parce qu'ici, on est sur une planète alien, donc évidemment, un truc alien, enfin tout ce qui est sur place est alien, ça veut pas dire grand chose. Mais de formes de vie intelligente qui vivaient sur cette planète, mais qu'on ne trouve plus, qui sont plus là. Parce qu'il y a eu des problèmes. Des problèmes appelés un virus. Plus communément appelé le virus. J'ai joué à Heroes of the Storm, mais c'est un dead game. Moi aussi, exactement pareil que toi. J'ai découvert Heroes of the Storm, pardon, j'articule mal comme souvent, à sa sortie. L'avantage, c'est que je connaissais un petit peu l'univers de Blizzard, donc déjà j'avais un petit peu des repères par rapport à ça. Et en plus, et ben, le fait de découvrir HOTS au moment de sa sortie, où tout le monde le découvrait aussi, et ben, c'était vachement plus agréable. Et le Ghost. Je vais mettre en silencieux. Alors c'est par là ou c'est par là? Ah mais non, c'est à droite je crois. Je sais plus. Seek fluid intake. Je sais plus par où je vais passer, mais je dirais que c'est plutôt par là, en fait. Ouais, ça a l'air d'être par là. Mais voilà, c'est un dead game, alors qu'il avait du potentiel pour être une bonne alternative à LOL, sans pour autant le dépasser, mais simplement être une alternative. C'était sympa. Et c'est l'un des premiers jeux que j'ai stream, HOTS. Salut Cyril! Pas sur cette chaîne. Parce que j'ai compris, la commu peut être aussi toxique que sur WoW. C'est un truc qui m'a éloigné de WoW. Bah en fait, il faut se dire que de toute façon, tout jeu qui est compétitif et qui est beaucoup joué est toxique. Donc oui.
Et surtout, en plus, un jeu qui maintenant a une commu de longue date. Donc, les gens, ils estiment que tu connais par cœur le jeu comme eux. Ce qui est le cas de WoW et de LoL, par exemple. Un jeu un peu plus récent, même très joué, il y aura peut-être un petit peu plus cette patience face au noob. Et encore, franchement, non, dès que c'est très joué, de toute façon, les joueurs partiront du principe que eux sont parfaits, que toi, tu connais mal le jeu et que t'as aucune excuse. Et du coup, bah, c'est horrible, quoi. Mais moi, je pars du principe que de toute façon, un jeu très joué qui est compétitif et qui, en plus, a un chat in-game, ne peut être que toxique. J'ai pas de... Il y en a des peut-être moins que d'autres, mais souvent, c'est parce que c'est des jeux moins joués. Que d'autres. Là, j'avais un peu pour m'expliquer, jamais j'y joue. Oui, mais moi aussi, j'avais... J'avais mon copain qui m'expliquait un petit peu le jeu et tout ça, et on était en Aram, donc c'était quand j'ai un petit peu essayé LoL. Mais je trouvais que je partais trop loin. J'avais trop de persos à apprendre, il y avait trop de mécaniques aussi que je connaissais pas et tout ça. Il y avait vraiment une manière de jouer qui était un peu différente aussi d'HOTS. Je connaissais HOTS, donc j'avais au moins un peu... Enfin voilà, je connaissais quand même le principe. Mais je trouve que... C'est trop chiant déjà de savoir le personnage que t'as en face, ce qui peut te faire. C'est trop chiant. Et j'avoue qu'avoir l'impression d'avoir des devoirs sur le jeu et de devoir connaître les persos avant de pouvoir vraiment commencer à y faire quelque chose, et ben c'est chiant, c'est pas... Mais après je suis pas une joueuse de jeux compétitifs aussi. Même si j'aime bien de temps en temps. Le seul auquel je joue un petit peu, et encore ça doit faire un an que j'y ai pas touché, c'est... un petit peu moins d'un an je pense. C'est Overwatch. Parce que je l'ai découvert aussi à sa sortie et que c'était sympa la découverte. Mais bon, encore une fois, le savoir-faire de Blizzard a fait que le jeu... est vachement délaissé. Et moins intéressant. Ce qui est fort dommage. Pas l'esprit de compétition, donc je vive mal qu'on essaie de me forcer à l'avoir. Mince, je lisais le chat. Ouais, je comprends. Ça me fait mal aux oreilles. Bah le truc c'est que dans le compétitif, soit tu tryhardes beaucoup. Et du coup, tu vas réussir à faire des trucs, mais ça va te demander de quand même pas mal insister sur le jeu et tout ça, de te renseigner, machin. Et c'est là que tu commences un peu à t'amuser, on va dire. Oh, Guinel ! Qui fait sa gestation d'abonnement. Salut, Vin ! Merci beaucoup, Guinel, pour les 9 mois ! GG pour le bébé de sub. Merci beaucoup ! Tu gestionnes. Mais ouais, je disais, le jeu compétitif, bah soit tu tryhardes, tu t'en sors et tu passes des bons moments parce que t'arrives à faire des trucs, mais dans ce cas-là, faut vraiment tryhard et il y a quand même plein de fois où tu passeras des mauvais moments. Soit, eh ben, t'es noob, tu peux pas trop être casu sur des jeux très compétitifs. Je trouve que c'est difficile, ou en tout cas, bah, de s'amuser dessus, c'est que si tu joues avec des potes, quoi. Sinon, en solo, tu peux pas t'amuser sur un jeu très compétitif en mode noobie. Ou alors, t'es un élu du gaming et tu t'en sors giga trop bien à chaque fois. Mais souvent, c'est aussi parce que le MMR est sympa avec toi. J'ai joué 20 ans au RTS. Ah oui, 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 effectivement, ça va aider, ouais. Ça aide un peu à avoir une certaine vision de jeu, déjà. Et c'est un top 50, Battle.net. GG. Europe, GG, GG. SC2, j'aime pas réussi à être silver. Ah. MMR, vaste sujet aussi. Aussi, effectivement. Donc voilà, bref. Ce qui fait que les jeux compétitifs, bah, c'est très rare que j'y joue. Ou alors, ça va être vraiment des jeux qui sont moins... bah, qui ont pas de chat, par exemple. J'ai pas mal joué à Mario Kart à un moment. Parce que, bah, c'était... Au moins, t'as pas... Les joueurs n'ont pas moyen d'être toxiques avec toi, en fait. Enfin, ils peuvent l'être par quelques moyens. Oh, j'ai plus de batterie. Ah non, c'est bon. Par quelques moyens, genre... Genre le backspam, le fait d'envoyer un truc à l'arrière alors que tu vas gagner juste pour défoncer quelqu'un gratos. Mais à part ça,
et 2-3 techniques comme ça, mais c'est aussi des techniques de jeu classiques. Ah merde, je suis en train de mourir. J'y suis à fond. Rocket League, j'ai pas pu y jouer. J'étais en retard sur mes potes. Ah ouais. Donc ils avaient la flemme de jouer avec moi. Et en plus, Rocket League, j'ai l'impression qu'il faut vraiment y jouer pas mal pour commencer à maîtriser à la voiture, quoi. Enfin, commencer vraiment à maîtriser la physique du jeu, les différents moves et les stratégies. Il faut vraiment insister. Alors, regarde, c'est drôle en multi avec les poteaux. Oui. Ouais, voilà, c'est des jeux compétitifs assez légers auxquels je m'amuse, sur lesquels je m'amuse. Voilà, c'est chez moi ici au fait, pour ceux qui connaissent pas. Salut, c'est moi. Love TV de Subnautica. J'ai eu un début de salut, c'est moi Elisa de la jungle. Voilà, j'ai fait un observatoire ici pour observer les baleines. Et ici on est tout bien. Et là il y a mon aquarium. Et j'ai des œufs à mettre dedans. On va mettre des œufs. Porte une message, non. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir construire un truc. La Log's demeure, tout à fait. The Log's House. Log's, plutôt. Je vais allumer la lumière, j'ai pas... Je pense que j'ai pas éteint le moteur. Si. Non. Petit klaxon. On a du matos à poser. Les trucs utiles. Bah ça j'avais laissé ici volontairement. Je peux laisser de tout truc ici volontairement. Et puis la recharger. Ça je le laisse aussi. C'est plutôt en bas que j'ai des trucs qu'il faut que je récupère et qui vont me servir à la maison. Genre le titane. Ah oui, dans mon prone, il y a des trucs aussi. Mais limite lui, j'ai juste à le faire tomber et je récupère. Genre ça aussi, il y aura ni pain. Bah tout ça. Tout ça c'est ici, je vais tout prendre jusqu'à ce que j'ai plus de place. Genre maintenant. Hello Mimozo! Eps! C'est pas ça Mimozo. Ah! Il y a Aurel qui débarque, j'ai compris. Un plus. Je me demande s'ils faisaient du Outer Wild ce soir. Chut, surprise. Bah, chut. Jouer surprise, ok. Tu m'aides pas beaucoup à jouer à surprise. Ah, ils faisaient du Galaxy, du Mario Galaxy. Trop bien. Mais ils vont te voir dans le chat, tu sais. Les messages, ils restent, hein. Elle est pas très discrète. Mais c'est trop mignon. Regardez ma baleine, elle est trop belle. Enfin, c'est pas ma baleine, mais c'est ma copine. Non, pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux. Elle me fait trop rire. Merci beaucoup pour le raid. Merci beaucoup. Salut Sue Link, peut-être. Toutes mes alertes sont en double aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Enfin, toutes. Certaines. Merci! Et salut! Incroyable surprise! Vous êtes choc-barre dans le chat ou pas? Faites-les choquer! Merci pour le follow! Merci. C'est Sue Link, c'est ça? Ou pas du tout? Salut New Dindint! Salut Kla! Merci beaucoup. Allo Fiat Minimi. Merci beaucoup pour le raid. Ou la choquer. Ah merci. Voilà. Soit faites des... Voilà. Voilà. Vous avez l'air choc bar. Ça, là c'est bien. Salut Yon's Banner. Est venu dormir dans l'espace. Et on m'envoie sous l'océan. Sous l'océan d'une planète alien. Avec des baleines. Alors je préfère prévenir, je suis à la fin du jeu. Pour ceux qui aimeraient faire ce Nautica. On arrive vers la fin. Là, bon, ça, il va y avoir un peu de farm, un peu de craft, donc ce sera pas trop du spoil, mais ce sera pour faire un truc qui... voilà. Ça va peut-être vous spoil.
Alors c'était cool chez Aurel. Vous avez fait du Mario Galaxy je crois. Et bonsoir et ciao. Et bah ciao. Et bah ciao Aurel. Oui c'est vrai, bah oui c'est vrai en plus. Tu l'as pas fait toi. Punaise, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Des bisous morsus pour le raid. C'était incroyable. Je n'en attendais pas moins, je dois avouer. Là je suis en train de ranger mes compos dans ma maison. Je peux vous faire visiter ma maison? On a un petit fruit. Important. Ici, on a un aquarium à 3 étages. Et qu'une tour aquarium. Où on peut monter, voir l'aquarium, tu sais, tu sais. Voilà. J'aime bien les aquariums et le verre. Avoir l'impression d'avoir un aquarium dans un aquarium dans un autre aquarium. Hop là. Mince, je suis redescendue. Je suis remontée. Comment je redescends déjà facilement? Je devrais pas les superposer les deux. À chaque fois, je fais... j'ai pas le bon move. Ensuite, par ici, nous avons le garage. Merci, New Dindinx. Désolée si je le dis mal aussi. J'attends le temps, tu sais, le temps. Je suis défoncée. Alors, je vais me chez coups. Des gros bijoux, morsus pour le raid. C'est toi, là, quand même. C'est toi, le poisson. Ça, c'est mon... Simos, c'est mon petit sous-marin. C'est officiel, c'est l'Ox la meilleure. Oh, ça, ça fait. Ah, mais WC pour faire caca. Bah, on va dire qu'il y a de quoi faire, hein. Et ici, c'est la salle principale avec un autre aquarium. Et ici, c'est la salle de scanner où on peut chercher du matos. Et ici, c'est l'observatoire pour voir les baleines passer. Et ici, c'est le Cunégonde. C'est mon gros sous-marin. Il y a un petit sous-marin, il y a un gros sous-marin. Et il y a un autre truc. Il y a un méca. Je dois poser mes objets, pardon. Attendez, je dois trier parce qu'on vient d'une longue expédition. Je dois trier un peu. Le titane, il va là. Le soufre cristallin. D'habitude, je le mets dans précieux. Non, je le mets pas dans précieux. Non. Là, ici, j'ai cristaux. Ça, je mets ça. Et je mets ça. Après, la magnétite. Hein. Là, j'ai mon quartz. Magnétite, j'aime avec le sel, je crois. Ouais. Hop là. Et toi, je change. Ça, c'est mon chargeur à pile. Est-ce que j'ai la place de tout prendre déjà? Oui, ça va, presque. Si tout. J'avais mal vu. Bonne tout le monde, bonne URL, des gros bisous, merci beaucoup. Non, je vais pas rejouer à ça, Neptunia. Salut, Mistriki. Je t'avais pas vu. Je vais pas rejouer au jeu d'aquarium, il était trop pourri. C'était déjà la deuxième fois que je jouais, et qu'il jouait. Il est trop pourri. Il est trop pourri. Mais bon, l'aquascaping, ça peut être drôle quand... Enfin, je sais pas, ça peut être un... Un jeu intéressant si c'est fait avec un minimum de bonne volonté. Là, je la cherche encore, la bonne volonté. Métal. Je sais plus ce qu'il y a là-bas. Je les ai mis où, mes petits cubes? Je les mets dans matos. Ah, mais je vais plus avoir place, moi. Ok. Bon, mes trucs cristallins, je vais les mettre dans mes... Ouais, mes souffres... Enfin, je vais les mettre dans cristaux. Et j'ai plus la place, c'est super. Je vais les mettre avec ça, du quartz. Ouais, bon, tous les trucs, tous les noms sont écrits en QWERTY parce que je joue en QWERTY. Alors voilà. C'est ainsi. Et en fait, vu qu'on était en pleine expédition, eh ben, je dois vider mes stockages. Oh ouais, je vais mettre dans l'aquarium ça. Pour après me lancer dans pas mal de crafts. Ça, je laisse, c'est au cas où je manque d'eau. Et ça, je prends. J'aurai presque tout. Oh. Je sais qu'il m'en reste deux, des trucs là. Si j'ai besoin... Ah, je vais passer par là. Parfait. Alors, j'ai deux œufs.
Je sais pas des œufs de quoi, donc on va tout de suite découvrir en mettant les œufs ici. On va voir ce que c'est comme bébête quand ça va éclore. Ah, du plomb et du lithium, c'est ça qu'il me faut. Mais où mon lithium, il est là. Ça va, j'en ai un peu. Je vais mettre le distène avec. Métal. Mais le plomb. Le nickel. Précieux, je mets l'or. Et ça, mes cubes bioniques, je vais mettre avec titane. Ok, j'ai tout rangé presque. Je vais boire un coup. Voilà. Salut Carbard. Salut Mo. Avant de comprendre que je... Tu penses que... C'est vraiment t'écris en QWERTY. Et avant de comprendre, tu penses que tu fais un AVC. Ah, oh, j'ai l'habitude, j'arrive même un peu à écrire en AZERTY en ayant le clavier... Enfin, à écrire normalement en ayant le clavier en QWERTY, pas le clavier. Si je me concentre. Donc ça me fait plus trop le truc de mais qu'est-ce qui se passe, c'est trop bizarre ce que j'ai écrit, vu que je passe vraiment en QWERTY sur tous les jeux que je fais. Mais quand on n'a pas l'habitude, oui, j'imagine que ça doit faire un peu bizarre. Ok, je vais éteindre les phares ici, ça me saoule. Je vais laisser les phares allumés. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a ça, on a ça, on a de l'argent. J'ai pas beaucoup ça. Ah, je vais prendre... J'ai appris à taper avec un clavier QWERTY, moi. Bah ouais, du coup, ça me... Oui, mais en plus, vu que t'as voyagé et tout ça, t'as dû apprendre à écrire avec différents types de claviers. Donc je pense que mentalement, tu dois déjà passer de l'un à l'autre plus rapidement que plein de gens. Salut Frigia, comment vas-tu? L'AZERTY, je peux pas. Bah c'est normal, t'as pas été élevé à l'AZERTY. Moi j'aurais limite si j'avais eu le choix, bah j'aurais préféré, j'ai du mal à parler. J'aurais préféré connaître direct le QWERTY, c'est plus, enfin, je sais pas. Bon, c'est un peu moins l'évidence si on va acheter son clavier juste à la Fnac par exemple, mais sinon à part ça, je pense que c'est plus pratique et peut-être un peu plus utile, je sais pas. Mais bon, quand tu nais avec ce clavier-là. Faut savoir qu'aussi en Belgique, c'est un AZERTY un petit peu différent. Il y a surtout la ponctuation qui change. Et les caractères comme ça, les caractères spéciaux. Du coup, je switch facilement dans ma tête, ouais. Ça m'étonne pas. Salut Kathleen! Ah oui, bien et tout. Ouais, on va bientôt finir le jeu. Et juste avant, on a fait du content warning et c'était trop cool. Voilà. Et très sympa. Je pense que c'est un jeu à revenir de temps en temps, c'est cool. Mais pas trop à tryhard. Là où l'étal, si tu veux découvrir les nouvelles planètes, t'es obligé... Enfin, les planètes un peu dures, il faut tryhard et du coup, c'est bien d'insister. Je dirais que ça, c'est aussi la diff. Bon. Bon, bon, bon. On a un truc à faire. À savoir, utiliser ceci. Pour crafter... Ah non, c'est pas là. Ah non, c'est là-haut. J'ai oublié, attendez. Je crois que c'est là-dessus. Je vais pas la mettre là. Non, j'ai dit que j'allais pas la mettre là. Oh, viens. Voilà, je la prends. Je la mets ailleurs. Mince, je l'ai lâché sans m'en rendre. Alors, c'est dans la baie à véhicule mobile qu'on fait le truc? Oui, c'est ça. Plateforme de lancement du Neptune. Fournit une surface stable à partir de laquelle lancer le Neptune. C'est ça qu'on va devoir crafter. Bisous hanté, bonne nuit!
faire un Below Zero après. Ouais. Je sais pas si j'enchaîne la semaine prochaine direct sur Below Zero pour les streams un peu de la nuit comme ça, c'est possible. Ou si je fais une petite semaine où je fais un autre jeu entre les deux. J'hésite. Il est incru. Ah, il est cool, ouais. Salut Exterminate. Et bonne nuit à ceux qui vont dodo. Lingot de titane, circuit intégré, plein. Par contre, elle est pas censée être... sur l'île. Oh, on voit le haut du sous-marin. C'est mignon. Je l'ai fait il y a longtemps, ça. Plus dans le bus, tu vas aussi de chez Kou, petit infernalou. Si c'est le cas, bonne nuit aussi. J'ai déjà oublié, mais c'est pas grave, j'ai juste un épingle à air. Si je le trouve. Il y avait circuit intégré de la côte titane, ça je m'en rappelle, et après je sais plus. C'est officiel, c'est là que c'est la meilleure. Ah bah ça on savait, merci. Alors lingot de titane, bah j'aurais pas assez je pense. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que j'ai compté trop vite, peut-être. On va voir. De toute façon il va m'en falloir plein, il va falloir que j'aille chercher full titane. Il ouvre la porte normale, pas de sas. Non effectivement, c'est pas forcément réaliste sur plusieurs points, mais vraiment... Pour avoir un gameplay fluide, moi je préfère. Sinon ce serait chiant. C'est pas une simulation, ça se veut... Oh là, ça se veut un peu logique et tout ça, mais on n'est pas sur de la simulation. On crafte tout assez facilement, comme tu vois aussi, il n'y a pas forcément de réalisme volontaire sur plusieurs points. Et moi ça me va très très bien, franchement. Le circuit intégré, il est chiant je crois. À faire. Or et fil de cuivre. Du coup, il faut du cuivre. Je crois que ça, j'en ai plus. Moi, ouais, c'est tout l'inverse. Oui, oui, mais ça se... C'est pas une... Il est pas vendu comme une simulation, Subnautica. Faut bien comprendre ça, hein. C'est pas Star Citizen. Déjà parce que c'est un jeu qui est sorti. Ce qui est bien. Ce que moi je trouve positif. Oui, après on est dans un futur assez lointain aussi au niveau des technologies, ouais. Et les technologies sont cohérentes. C'est un jeu. Ouais, je voulais dire ça, mais je me suis dit maintenant, s'il y a des gens qui sont fans, je veux pas les froisser non plus, parce que vous avez le droit d'être fan, sans vous en prendre plein la tronche, sans raison. Enfin, sans raison, juste parce que vous êtes content d'aimer un truc. Voilà. Ouais, je sais, je fais un petit peu un discours de Miss France. Mais rien à foutre. Bonne nuit, Vince. Des bisous. Mais voilà, ça n'empêche pas l'univers d'être cohérent. Tout ça. Et ça, moi, c'est l'essentiel. Tac, tac. Ah, donc elle se fait là, au milieu. Je pensais que c'était ailleurs, mais je confonds... Non, mais je confonds avec le deuxième Subnautica, je sais pourquoi, je pensais ça. Miss Twitch. Je laisse profiter de la construction. J'aurais pas dû le faire là, ça va me gâcher ma vue. Je m'en rappelais pas. Je vais voir si ça se voit d'en dessous. Oui mais ça va. Ça se verra forcément, mais voilà, je me demandais à quel point. Genre depuis mon observatoire... C'est un peu dégueu quand même. C'est un peu dégueu mais c'est comme ça. Oui, en vrai, Kentlin, c'est un petit peu ce que je me dis aussi, en vrai. C'est bon. On va plus rester très longtemps ici, normalement.
Et du coup, va falloir construire la rampe de lancement, puis après d'autres trucs, et voilà. Et du coup, on va avoir pas mal de craft à faire. Lingot de plastacé, donc il va me falloir du titane. Le reste, ça va, c'est facile, mais j'aurais besoin d'autres trucs. Je vais couper la VOD ici. Et j'en referai une un peu plus tard, peut-être. Quand j'aurai un peu plus de titane. Je vais aller farmer du titane d'abord. Du coup, des bisous la VOD et on se retrouve probablement pour la fin du jeu normalement. Des bisous!